peut arriver à Paris avec Quentin. On est dans une période où on parle beaucoup de harcèlement scolaire. Ouais. C'était il y a quelques jours, en plus, la journée spéciale. Toi, tu parles de ta taille à l'école. Horrible. Où, je crois, de tête, hein, à 11 ans, tu faisais 1m60, plus de 70. Ouais, 76. 1m76. C'est énorme. Tu vois, il y a plein d'adultes qui, finalement, n'atteignent pas cette taille-là. Donc, c'est... Ouais. Et du coup, c'était super dur pour moi. J'ai eu beaucoup de moqueries, beaucoup de... J'étais très à l'écart. S'il y a des jeunes qui nous écoutent là en ce moment sur Voltage et qui t'entendent... Bah, ce que je peux leur dire, c'est d'utiliser vos différences. Cultivez-les, utilisez et faites-en votre marque de fabrique. Et ce qui m'a le plus handicapée dans ma jeunesse, aujourd'hui, bah, c'est mon métier, c'est ma voix. Je veux dire, quand j'étais jeune, j'avais une voix super grave, tout le monde se foutait de ma gueule. Bah, aujourd'hui, moi, j'ai sorti un album et eux, ils en sont où? Comme quoi, une faiblesse peut devenir une force. Voilà, c'est ça. Donc finalement, cultivez vos différences. Ce serait peut-être mon message. Tout peut arriver à Paris avec Quentin.